dans cette vidéo, voilà, donc dans cette vidéo, nous allons donner un petit exemple d'application du projet SKR. Voilà, donc on pourrait par exemple demander de déterminer l'équation des hauteurs dans un triangle avec le projet SKR et de montrer que les hauteurs aussi seraient concurrents. Voilà, et de déterminer les coordonnées du point de concours. Ou bien on pourrait même demander de déterminer l'équation de la médiane ou bien des médianes dans un triangle en passant par le produit SKR. Ou bien on pourrait même demander l'équation d'une droite maintenant avec le produit SKR. On pourrait demander tout ça. On pourrait même demander l'équation cartésienne d'un cercle maintenant avec les produits SKR, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire maintenant un petit exemple maintenant portant maintenant sur la détermination de l'équation cartésienne d'un cercle avec les produits SKR. Donc je donne un exemple. Soit le point A de coordonnées 1, 2 et le point B de coordonnées 2, 3. Déterminer l'équation. Mettez donc l'équation cartésienne. L'équation cartésienne de MA SKR MB qui est égal à 0. Donc si MA SKR MB est égal à 0, ça signifie que les deux vecteurs là sont orthogonaux. Et si les deux vecteurs sont orthogonaux, ça me rappelle bien que ça, c'est ligne de niveau du type MARB égale à 0 qui était 1, 7. Donc, dans ce cas, pour savoir ce qu'on va faire, on va définir maintenant le point M. Soit M, un point appartenant à ce point-là, tel que maintenant le vecteur MA aura pour coordonnées x de A moins x de M et y de A moins y de M. Et le vecteur BM aura pour coordonnées x de B moins x de M, y de B moins y de M avec M pour coordonnées x, y. Et dans ce cas, si nous revenons ici au projet SKR, donc on va dire simplement que le projet SKR de MA SKR MB serait, on avait dit que le projet SKR de vecteur, on va multiplier les abscisses entre L, entre E et les ordres entre L. Donc on a ceci, x de A moins x, parce que c'est x de M, facteur de y de B moins x, parce que c'est x de M, plus y de A moins y, facteur de y de B moins y. Et donc dans ce cas, on va développer. Je remplace x de A, on a dit que c'est 1, donc j'aurai 1 moins x. X de B, on a dit que c'est 2, j'aurai 2. Plus y de A, on a dit que c'est 2, moins y. Y de B, on a dit que c'est 3, moins 3. Et je développe. Donc si je développe, j'aurai 2 moins x, moins 2x, plus x au carré, plus x. Excusez-moi, donc ça c'était mon téléphone portable qui sonnait un peu, on m'appelait là. Et c'était ma mère qui m'appelait. Donc on continue. Donc là, j'aurai 2 fois 326 moins 2y moins 3y plus y au carré. Donc là, on a développé cette expression. Et on a développé cette expression là aussi. Donc, j'aurai un peu, j'aurai x au carré moins 3x. Maintenant, plus 2, plus y au carré, maintenant, moins 5y, plus 8. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation générale de ce produit SKR-là. Et on avait dit que tout ça, c'était égal à 0. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va chercher maintenant les formes canoniques. Les formes canoniques de x au carré, moins 3x et y au carré moins 5x plus 6.
Voilà. Donc nous allons chercher le forme carré. Et pour le forme carré, je rappelle que on aura x moins 3 demi au carré moins 9 quart plus y moins 5 demi au carré moins 25 quart maintenant plus 8. Tout égal à 0. Donc c'est ça maintenant la forme canonique maintenant de cette expression là. De l'expression de ce produit escalaire. Et tout ça égal à 0. On l'avait dit depuis le début. Voilà. Donc nous allons essayer maintenant d'ordonner un peu cette expression là pour voir maintenant ce qu'on aura. Voilà. Si on regroupe les constantes, donc on trouve moins 16 et le tout égal à 0. Donc ce qui donne que on aura x moins 3 demi plus y moins 5 demi, tout au carré égal à 16. Et on retrouve bien l'équation cartésienne d'un cercle. L'équation cartésienne d'un cercle. Et donc on va dire que maintenant l'ensemble des points, ou bien l'équation cartésienne maintenant de ceci est égal à x moins 3 demi au carré plus y moins 5 demi au carré égale à 16. Et donc, si on avait demandé l'ensemble des points, nous allons dire que l'ensemble des points maintenant est un cercle. Parce que ça, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Donc, l'ensemble des points serait un cercle. L'ensemble des points est un cercle de centre, si vous voulez, oméga, de coordonnées 3 demi, 5 demi. F de rayon R égale à 4 cm parce que R ce sera racine de 16 et racine de 16 c'est 4 cm. Donc voilà, c'était tout pour cet exemple là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de partager avec vos amis parce que le fait d'aimer la vidéo récompense le travail fourni. Merci et à très bientôt.